Quête suivante. Hop, 3000 XP. Il en faut combien? 26 000. Hein. Je sais que j'abuse de votre générosité, mais j'ai un autre service à vous demander. Je voudrais que vous alliez à l'arbre de l'orée, au sud-ouest d'ici, et que vous disiez à Léonie qu'elle est en retard pour sa traversée. Cette druidesse était censée partir il y a plusieurs dizaines de minutes déjà, mais Armel m'a fait savoir qu'elle ne s'était pas présentée au quai d'embarquement. Bon. La connaissant, elle doit encore être en train de prodiguer des soins au végétal sacré. Pourriez-vous aller la voir et la prier de se présenter promptement à l'appointement du miroir, s'il vous plaît? Bien, faisons ça. Donc, sud-ouest. Sud-ouest, en théorie, c'est par là. Alors, on va quand même vérifier. Allez. Petit run, rejoindre. Notre petite druidesse qui a un petit peu de retard. Ah, avec un grand cœur, on oublie un petit peu le temps et finalement, on finit par être en retard partout et se mettre tout le monde à dos. N'est-ce pas? Bref. Alors. Nuée de frelons. On va quand même se faire ces nuées de frelons ici pour vous montrer l'achèvement. Hop. Enfin, le succès plutôt. Hop. Allez, bourré, frelon. Ça faudra m'expliquer une nuée de frelons, comment on fait pour la tuer avec des flèches. Bon, je sais, je l'ai déjà dit celle-là. Mais je suis toujours aussi perplexe. Il y a des fois les jeux de rôle ne sont pas forcément très très logiques. Ouais, non, c'est ça que je voulais faire, merci. Voilà. Tac, encore un petit coup. Un petit coup et tac. Non, ça va en vie ici. Ok, ça c'est fait. Voilà, nuée de frelons, archer 11 et 2300 XP. Ah, comme quoi, ça commence à bien rapporter le bestiaire. Alors, Léonie, s'il te plaît, arrête de parler à ton arbre. Comment? Oh, il est déjà cette heure-là. Je n'ai pas du tout vu le temps passer. Oui, on s'en était bien rendu compte. J'ai terminé de nettoyer les meurtrissures de l'arbre de l'orbe, mais les esprits m'ont murmuré qu'une autre présence maléfique rôde actuellement aux alentours de l'hypogée. J'ai besoin de m'entretenir plus longuement avec eux. Auriez-vous l'amabilité d'aller prévenir Armel et de lui dire que je vais rester un peu plus longtemps ici? Merci à vous. Pas de problème. Faisons le coursier comme d'habitude. Hop. Alors, petit sprint, il faut partir sur le côté là-bas, à l'est. Trouvez cette chère Armelle. Bon, les quêtes sont pas très très compliquées jusque-là, ça va. Le jeu en lui-même n'a pas l'air si compliqué que ça. On va voir à la longue, en espérant que ça se corse un petit peu. Hop. Bon, en même temps, on est en début de jeu, c'est normal. Mais c'est vrai que... Bon, en même temps, pour mourir, il faut en vouloir, mais j'ai pas fait une seule mort encore. Bon, si, lors de la bêta, mais... c'était... une bête erreur de ma part sur un mauvais ciblage ou un test. Je me rappelle plus ce que j'avais fait avec c'était les élémentaires de l'eau, je crois. Soit j'avais voulu la tenter, soit je m'étais gouré un ciblage et du coup, bah... Oui, d'ailleurs, je prenais une potion et je suis morte au moment où j'ai pris la potion, quoi. Merveilleux. Alors, donc nous avons atteint un nouveau lieu ici. Et Armel est là. Oh là, tu as une tête, toi. Mademoiselle Léonie vous a demandé de me transmettre un message. Très bien, dans ce cas, je vais apprêter une nouvelle embarcation. Merci d'avoir fait toute cette rite pour me prévenir. Pas de soucis, je commence à avoir l'habitude. Donc la désert mordeur paladin, ça c'est bon, mais niveau 15, donc c'est toutes les classes, mais bon, ça c'est pas, voilà. Ok, donc ce sera celui-ci et ce sera pour le niveau 15. Ok, quête accomplie. Donc, apparemment tu as une nouvelle quête à me proposer, que je vais m'empresser de valider. On dit que les aventuriers sont si braves qu'ils ne craignent aucun péril. Si c'est bien vrai, vous n'hésiterez donc pas à me venir en aide. Mon problème vient des monstres appelés Follets de Marée. Depuis le grand fléau, ces horreurs font leur apparition la nuit par ici.
Ils s'approchent des êtres humains, puis dispersent de la poudre de feu tout autour d'eux. Merveilleux. Ces créatures semblent être attirées par les flammes, ce qui nous empêche de faire du feu de camp et imaginer s'il arrivait quelque chose à un de nos druides, s'il se promènerait innocemment la nuit avec une torche. Je vais vous remettre une petite flammèche utilisée là près de la pierre des nénuphars pour attirer les feux follets des marées et débarrasser nous deux. Ok. Ah, et faites bien attention aux autres monstres qui rôdent autour de la pierre. Ah ah. Ah ah ah. Bon, alors j'imagine que c'est par là. Non, mais pas. Si, c'est juste après l'alien en fait. On va faire un truc. Hop, voilà. Donc, nous avons des limaces. Pas. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a la barrière. Voilà, merci. Les busards, ça, c'est méchant. Aïe. Voilà, j'ai aggro. Pour pas changer. Donc, nous avons l'aléa ici que nous allons nous empresser de rejoindre pour essayer d'avoir un petit peu d'XP. Voilà, hop. Aléa réussi. Bon, ben, trop tard. Ok, c'est pas grave. Alors, dit feu follet, il faut aller déposer la flamme là-bas. Oh putain, il y a plein de busards ici. Ah ouais, c'est là où j'ai failli crever d'ailleurs, parce qu'il y a, tiens, un mec qui a ramené tous les busards ici là. Alors, d'accord, ça c'est fait. Le point est où? Je le vois pas. Là. Oh là là. Je suis aveugle. Squalix Leonard. Ok. FF8 donc. Ok, allez, c'est parti. Hop. Wow, me ciblez pas tous à même temps là. C'est quoi ce truc là? Aïe. Aïe aïe aïe. Hop. Ok, ça me cible les miens, ça c'est bien. Ok, on va aider un petit peu les autres. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, jusque-là, rien de trop compliqué. On peut revenir voir notre cher Armel. Pour lui dire que nous l'avons débarrassé de ses feux follets. Tant, tant, tant. Oh là là, c'est long. Vivement la monture. Vivement la monture. Alors. Hop. Allez. Petit sprint, même aussi. Ah non, même pas. Je me suis gouré tout, je monte. Mieux, vu qu'on est juste à côté, ça serait dommage de le cramer maintenant. Non, c'est à elle que je veux parler. Merci. Alors, ah, vous avez vaincu, pardon, ces sinistres faux follets des marées. J'ai vu les flammes d'ici avec la correction que vous avez infligée à ces horribles follets. J'ose espérer que nous serons tranquilles un moment. Ce n'est pas grand-chose, mais voici pour votre peine. Alors, ceinture. Hop, niveau 14, je peux donc l'équiper maintenant. Ceinture. Voilà. Non, c'était quoi ça? Niveau 8. Voilà. Ok. Ensuite, nouvelle quête. Pouvez-vous m'accorder une autre faveur, ma chère? Un chariot parti du moulin de la carrière s'est fait attaquer un chemin par une énorme bête sauvage qui défendait son territoire. Par la grâce de Nofika, son conducteur s'en est sorti indemne, mais la cargaison n'a pas eu cette chance. Vu que personne ne veut risquer de se frotter à la créature, j'imagine que les marchandises sont toujours disséminées sur le sol, là où l'accident s'est produit. Pardon. Pourriez-vous aller récupérer ce qui reste de la cargaison et l'apporter à Kissa, Orange de Brancharquet? Vous trouverez le chariot en suivant la route vers le sud. D'accord, très bien. Bon, alors on va sur du menu que c'est là, voilà, ok. Et bien on est reparti! Allons-y! Allons-y, mon ami! Hop!
Masse. On a fait. Oh tiens, il y a une bébête là. Ouais, sauf que si c'est ça qu'il faut tuer. Ah non, si, niveau 13, ok. Ok. On va la revoir, j'imagine. Ah. Non, c'est ça que je veux. Oh putain, j'ai ciblé la masse. Mais sans déconner. Hop, allez, meurs limace. Que tu me jettes. Que tu me gênes. Tu me jettes. Vous sentez le sol trembler sous vos pieds, d'accord. Ah! Mais lâche-moi! C'est quoi ce truc? Ça va pas, non? Ok. Bon, alors. Ouais. Je voudrais juste aller voir le chariot, là. Vous êtes trop loin. Ah oui, mais c'est là-bas. Ah, c'est pas vrai. Mais les gens, si vous les faites pop, les mobs, tuez-les, quoi. Ce serait une idée, non? Voilà. Alors. Ah, et encore y avoir un crapaud? Non. Non. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Allez, prends la deuxième caisse. Voilà. Nous pouvons y aller. Bon, jusque-là. Ah là, il faut la livrer là-bas. Oh putain, elle est loin là. Eh ben, c'est parti. Encore un petit peu de route, ça nous changera. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Tac, tac, tac. Bon, toujours des limaces. Toi, t'as plus rien à me dire là-bas, non. Hop. Et hop. Non, on va plus être trop loin. Oh, un autre aléa encore. Mais il y en a partout des aléas. Oh les accords, j'aime pas ça. Bon, je vais finir, j'imagine. J'ai pas de mal, moi, en plus, avec les aléas, j'arrive toujours à la fin. Je crois que j'ai dû en faire deux complets. Bon, alors, hop. Bon, de toute façon, ils ont l'air de pop souvent toujours au même endroit. Donc au pire, faut se poser, attendre qu'ils réapparaissent. Je ne connais pas le délai de repop des aléas non plus. Tac. Alors, qui ça? Qui ça? Oh mon dieu, c'est nul. Voilà, ta cargaison. Vous avez la livraison? Oui, je l'ai là. Hop, échanger. Ah, c'est la livraison du moulin de la carrière que j'attendais. J'ai entendu dire qu'un monstre avait retourné le chariot, mais je vois que vous avez pu me rapporter une bonne partie de la cargaison. Pas un jour ne passe sans que j'entende des histoires horribles en provenance de l'hypogée ou de la forêt du sud. Je me demande si mes chocobos sont en sécurité la nuit. Si nous avons besoin d'aide, j'espère que vous répondrez à notre appel. Mais oui, toujours. Alors, au choix, c'est donc celui-ci, Cache-œil. Celui-ci, hein. Cache-œil. Non, non, Cache-œil. Merci. Achevé. Alors, ce que je portais avec quoi? Un partout, d'accord. Oui, bon. Ok. J'adore le cachet. Alors, ensuite, tac, tac, tac. Je vois une quête ici. Ouais, si, c'est une quête principale. Qu'as-tu à me demander, toi? Vas-y, pose ta question. Ah, malheur! L'œuf de Leia, il n'est plus là! Leia, c'est qui ton chocobo? Je vous en prie. Putain, il est joli son chocobo. Oh, il est trop beau. Bon, bref. Je vous en prie, aidez-moi. Je me suis éloigné un instant de l'écurie et à mon retour, l'œuf d'un de mes chocobos avait disparu. Cet œuf m'est extrêmement précieux. C'est un œuf pondu par Leia, un chocobo qui m'est cher. Je dois absolument le retrouver. D'accord. Vous acceptez de m'aider à la chercher? Merci. Tout porte à croire que quelqu'un a dérobé l'œuf. Essayons de récolter des informations chacun de notre côté. Vous n'avez qu'à commencer par interroger le personnel. D'accord. Bien, interrogeons le personnel. C'est comme ça qu'on en apprend le plus, en général.
par là et par là. Donc nous avons le premier PNJ qui est au monde. You monde. Et au monde. Bon, bref, imprononçable ton nom. Un homme suspect. J'ai effectivement vu quelqu'un partir en courant en direction de l'hypogée Tamtara. Quoi, on a volé un œuf, vous dites? C'est peut-être un homme qui l'a pris alors. Mais à quoi est-ce que ça va lui servir sans les connaissances d'un professionnel? Il n'arrivera jamais à le faire éclore. D'accord. Ok. Ensuite, ça, je crois que c'est mandataire. Oh, punaise. Punaise, punaise. Où est-ce qu'il est, Benji, là? Je le vois pas. Où es-tu? Tu dois être en bas. Vu que je ne te vois point. Oui. Donc, ce sont les... Ah non, merde. Il est où, l'autre? Là. Léodère. As-tu vu quelque chose de suspect, mon ami Léodère? Le chocobo, laisse-moi réfléchir. Maintenant que j'y pense, le chocobo avait l'air très agité tout à l'heure. Et quand j'ai voulu aller voir ce qui se passait, un marchand que je n'avais jamais vu auparavant m'en a dissuadé. C'était un Élyséen au regard perçant. C'est vrai qu'il avait l'air louche. Il semblait surveiller les alentours. D'accord. Ok. Et le dernier, qu'a-t-il vu? Sprint. Hop. Hop là! Et c'est notre ami Bernard que nous retrouvons aujourd'hui! Alors. Oh putain, c'est pas mal. Peux-tu me cibler Bernard, s'il te plaît? Merci. Un homme bizarre. Non, ça ne me dit rien. Ah, mais attendez, maintenant que j'y repense, j'ai vu un homme qui apaisait des chocobos agités. Je dois avouer que le dos. Que de dos, je l'ai pris pour Luculot sur le coup. Et si Luculot n'était pas orange à ce moment, alors qui était-ce? D'accord. Bah, tu fais bien ton boulot, toi, dis-moi. Hop, retournons donc là-bas. C'est même pas le chocobo qu'il fallait voir en fait. Tac. Parler à Luculot. J'y vais de ce pas. Et il est juste là, notre ami. Alors. Oh, cinématique. D'accord, donc là je suis en train de te raconter toute l'histoire. Je vois, je comprends mieux. Visiblement, il ne s'agit pas d'un vol commis au hasard. Le coupable semble s'y connaître en élevage de chocobo. Dancing in